30e édition de la traversée de Paris estivale. Le départ a été donné au château de Vincennes. Et là, nous sommes aux endroits emblématiques, rue de Poliveau, où était tournée une grande partie du film La traversée de Paris, avec un super équipage de 4 personnes. Vous êtes magnifique. Bon. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux ? Comment si c'est sérieux ? Rien du tout, vous m'entendez ? Rien du tout ! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, janvier ! Janvier, 2000 francs ! Rien du tout ! Je lui casse la gueule ! Janvier, je veux 2000 francs, janvier, 45 rue Poliveau ! Oui, oui, on le sait, plus un franc, plus un sou ! Mais laissez-moi le décembre ! Janvier ! Vous êtes pas fou ? On vous entend partout ! Non, c'est rien, ça s'arrange ! Monsieur Janvier ! Je vous ferai bien qu'il me faut encore ! Tenez, tenez ! Bah, et moi ? Plus rien, ça va. Et maintenant, hein, allez-vous-en ! Daniel, l'euro propriétaire d'une Corvette C1 de 1960. Tout à fait, c'est exactement cela. Donc un des premiers modèles de Corvette, puisque la C1 s'est arrêtée en 62. Et après, nous sommes bien sûr passés à la C2. Aujourd'hui, nous sommes à la C7. Là, voilà. On est sur 230 chevaux. C'est ça, c'est un 8 cylindres de 230 chevaux. D'accord. Et vous êtes le propriétaire depuis combien de temps ? Alors celle-ci, je l'ai depuis 5 ans. Je l'ai achetée à un collectionneur espagnol. Et à l'origine, elle était blanche, mais ce collectionneur la voulait rouge, intérieur rouge. Ouais. Et donc, pour conserver l'histoire et l'historique de la voiture, moi-même, j'ai gardé rouge, intérieur rouge. Ouais, une belle restauration, hein. Oui, c'était une belle restauration. Et il m'avait donné les photos d'origine où elle était blanche. Et voilà. Donc, elle vient des États-Unis, bien entendu, hein, parce qu'il l'a importée il y a... Pas de problème de corrosion, des fois, les véhicules qui viennent des States. Alors, aucun problème de corrosion, puisque la Corvette est le premier véhicule en polyester. Donc, même conception que les bateaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne aussi et ce qui permet de faire l'ensemble de ces formes arrondies, puisque s'il fallait les faire en tôle, ce serait beaucoup plus compliqué et onéreux. Voilà, et le modèle Corvette, c'était donc le premier modèle que les Américains ont sorti pour concurrencer, bien sûr, l'ensemble de la production européenne. Voilà. Et depuis 5 ans, vous avez fait des travaux dessus, sur le moteur ? Le moteur a été entièrement refait, la peinture a été refaite, l'ensemble de la direction a été refait, le circuit de refroidissement a été refait, les pneus sont neufs. État concours, hein ? Je ne sais pas si c'est l'état concours, mais en tout cas, elle est parfaitement entretenue. Beau véhicule, hein. La passion, comme tous les collectionneurs. C'est votre seul véhicule ou vous en avez d'autres ? J'en ai eu d'autres, mais malheureusement, j'ai pas assez de place dans mon garage pour avoir plusieurs véhicules. Donc, c'est souvent la place qui manque au collectionneur. Hein. Exactement, donc nous sommes obligés de faire des choix. Donc j'ai aussi des motos, ce qui me permet d'avoir plus de motos que de voitures, puisque ça prend moins de place. Ça prend moins de place. Voilà. Ouais. Bon, merci à vous. Avec plaisir. Et bonne route, hein, et pour cette traversée de Paris. Bernard et Annie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'heureux propriétaire d'une Citroën B12 de 1926. C'est un modèle que vous avez acheté il y a combien d'années ? Alors, je l'ai acheté en 82. Mon oncle avait une B12 et quand je suis parti en Afrique pour du travail, pour un tournage de film et tout ça, mon copain m'a dit « tu vois, j'avais ça dans l'avion, le livre ». Et il me dit, c'est ça qu'il me faudrait, parce que mon oncle avait ça. Bon, et ben dit, j'ai mon pote qui en vend une. Hein? Alors donc, j'ai acheté en 92, et puis, non, en 92, c'est. Et puis, alors pour revenir à cette voiture, c'est vous un... Vous avez fait des restaurations depuis son acquisition ? Elle n'était pas roulante. Hein? Ouais. Elle n'était pas roulante, il a fallu tout faire, peinture, tôlerie, capote, tout le bazar. Hein? Combien de mois de restauration ?
bah, disons qu'on peut dire sur des années, parce qu'on ne fait pas tout en même temps. Mais moi, je l'ai donné à un spécialiste et puis il l'a restauré, quoi. Hein. Mais après, il a fallu améliorer petit à petit tout ça. Voilà. Alors, cette voiture, elle est de 1925 exposition à Paris. Hein, et au salon d'auto, hein, comme tout le temps. Et puis, fin de fabrication, 26, tellement elle a eu de succès. Alors, donc, c'est un torpedo de tout acier de 1926. Quoi. C'est avant les premières torpedos, l'arrière était en bois. Voilà, exactement. C'est une voiture, elle est marrante, quoi. Ouais. Les gens, ils sont contents. C'est sympathique à conduire, et vous voyez la sympathie des gens quand vous voyagez avec. Voilà, et puis en plus, vous voyez, vous avez vu ma voiture et vous m'avez sauté tout de suite dessus. Non, on va vous souhaiter bonne route.